Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre un message, une carte, un message. Avec ce magnifique oracle, on y va avec celui-ci. Alors c'est du général, vous prenez uniquement si ça résonne au plus profond de vous. Et si ça résonne pas, vous le mettez de côté. J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour vos jolis commentaires, merci pour tout, pour tout, pour tout. Et on y va. Donc, une carte, un message pour tout de suite maintenant que vous avez à recevoir. C'est celle-ci. Alors, c'est la volonté. C'est la carte de la volonté qui vous parle aujourd'hui d'expression, de confiance en vous, de self-control et de direction aussi. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous allez être en expression. Vous allez réussir à vous exprimer avec dans l'expression. Une grande confiance en vous aussi. Vous allez faire preuve aussi de self-control, peu importe les événements, peu importe les situations, et vous êtes sur la bonne direction. Vous êtes rempli de volonté, de confiance en vous, de self-control. Vous êtes sur votre direction comme cette tortue, hein. Peut-être que vous y allez progressivement, pas à pas, mais vous êtes dans la bonne direction. Exprimez-vous, exprimez vos idées, exprimez votre volonté aussi. Ayez confiance en vous, exprimez-vous. Self-control, vous êtes détendu, relax, tout va bien. Hein. Et vous pouvez même utiliser votre enfant en intérieur, regardez. Elle saute, hein. Elle saute dans les papillons, avec sa robe jaune, qui vole. Voilà, qui parle d'expièglerie, de gaieté, d'innocence et d'émerveillement. Magnifique pour aujourd'hui. Ah. Donc, on va découvrir le message. Alors, je suis désolée, j'ai pas mon chevalet. Bon, bah, je vais la poser comme ça, c'est pas grave. Hein. Voilà, je vous avance un petit peu. Alors, la carte de la volonté. Donc, c'est la carte. On ne voit pas. 30. C'est la carte 30. C'est peut-être votre âge. C'est peut-être votre âge. Alors, 30. Alors, lorsque vous suivez la direction que vous indique votre cœur, donc là, suivez aujourd'hui, suivez vraiment la direction que vous indique votre cœur. Vous alignez votre volonté avec celle de l'univers et suivez votre voix à vous, et on a tous une voix différente. C'est pour ça, on est tous différents, différentes, et on est là. Voilà, pour suivre une volonté, celle de l'univers, mais on a tous des voix et des voix vraiment différentes. Alors, des dunes s'estompent dans la brume. On ne sait pas si la tortue vient de loin et combien de trajets il lui reste à faire. Donc là, vous êtes un peu comme la tortue, vous venez de loin et vous savez vraiment pas combien de trajets il vous reste à faire. Guidé tant par un savoir ancien, donc là vous êtes guidé par un savoir ancien, que par un sens profond de l'orientation, elle avance, déterminée, donc là vous êtes un peu comme cette tortue, vous avancez déterminée. Alors, elle ne gaspille pas son énergie à revenir sur le passé, donc ne gaspillez pas votre énergie à revenir sur le passé ou alors à vous vraiment vous projeter dans l'avenir. Elle se contente de faire un pas après l'autre. Elle sait qu'elle arrivera forcément là où elle va, donc vous allez arriver forcément là où vous voulez arriver, et ça sera vraiment au bon moment. C'est l'œuvre de la volonté. Cette carte nous enseigne à communiquer notre volonté, donc à partir de maintenant, communiquez votre volonté, à exprimer aussi vos opinions, et assumer votre identité avec fierté. Elle nous incite à faire preuve de volonté et de self-control, à nous fixer des limites et à prendre les bonnes décisions. Notre résolution nous permet de franchir les obstacles et de dépasser les doutes, les avis mais aussi les jugements, les nôtres aussi bien que ceux des autres. Elle nous pousse à mettre notre détermination au service de ce qui nous semble particulièrement important dans la vie, que ce soit notre façon de nous alimenter, notre spiritualité, nos loisirs sportifs ou aussi notre travail.
C'est déjà bien de se fixer un objectif en termes de santé, de vie amoureuse, d'argent, de carrière. Encore faut-il agir dans ce sens. Alors là, aujourd'hui, l'heure est venue pour vous de vous diriger résolument vers ce à quoi vous croyez le plus. Cette carte vous encourage à vous faire une idée de la personne que vous êtes et à vivre en alignement avec elle. À parler haut et fort, à communiquer et aussi à exprimer vos convictions. Avoir de la volonté n'impliquant rien de l'imposer aux autres. Cela consiste uniquement à se sentir bien dans sa peau et à assumer ses actes. Nul besoin de contrôler ou alors de dominer ses semblables. Pas plus que de se laisser jeter à terre ou alors de détourner de ses objectifs. La détermination nous donne de la force tranquille en parole comme en action. En s'alignant avec ce que souhaite l'univers, elle nous montre la voie unique qui est la nôtre. Elle nous permet de briller de tous nos feux. Donc là, aujourd'hui, brillez de tous vos feux. C'est magnifique. Très, très joli message avec la petite tortue. Voilà. Voilà le message que je devais partager avec vous. C'est un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort. Chouchoutez-vous. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À très très vite.